tôt ce matin, la police a effectué une perquisition dans la somptueuse propriété de l'homme d'affaires Gilles Fontaine, la Villa Caprice. Dans quelles conditions ce domaine a-t-il été acquis en 2017? Comment il s'appelle l'avocat, l'autre là? Germain. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien. Je me déplace jamais chez un client pour un premier entretien dans mon dire une poule de luxe. Ah non, excusez-moi monsieur. Seulement monsieur Fontaine. L'homme a du charme, il le sait, il en joue. J'ai pas encore dit oui. Bien sûr, tu as dit oui. Regardez-moi cette merveille, Germain. Nancy, ma femme, elle a très envie de vous connaître. Prenez garde à vous, monsieur Germain. Faut que vous partiez du principe que le juge a toujours un coup d'avance sur vous. Nous sommes ici pour examiner les conditions dans lesquelles vous avez acquis une propriété. Mais très précieux, vous savez. Très précieux. Vous allez être mis en examen. Et vous serez là, non? C'est moins confortable qu'un palace. Ah, mais c'est beaucoup moins cher. T'as vraiment rien compris. J'ai toujours pensé que cette maison serait à moi un jour. Votre soi-disant puissance est un leurre. On ne vous paye pas, on vous achète.